Donc, qu'est-ce que la conscience? La conscience. Et c'est quoi l'âme? C'est quoi la différence entre les Moi, je Les... parlais ou je parlais tout à l'heure justement de la connaissance. Voilà. Oui. Beaucoup se bornent uniquement en fait à écouter. Écouter, écouter. C'est bien d'écouter, hein. C'est bien d'écouter. Mais si vous ne pratiquez pas ce qui est écouté, vous ne pouvez pas savoir. Parce que je pense que beaucoup ne comprennent pas le combat justement de la conscience et de l'âme. Beaucoup ne comprennent pas le combat de la conscience et de l'âme. Et justement, c'est l'occasion. Sachez que tant que vous gardez la connaissance en vous, c'est bien. Déjà de recevoir la connaissance. Mais par contre, si ce que vous recevez ne vit pas, ça veut dire que ça meurt. La vie, elle est constamment en fait en action. Mais si jamais la vie n'est pas en action, ben elle dépérit. Si elle dépérit, ben elle meurt. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont des éternels apprenants. Ils passent toujours leur temps à apprendre. Alors là, ils apprennent, hein. Et ça, vous retrouvez ça souvent, par exemple, dans des églises. Je crois que les champions du monde de l'apprentissage, ce sont les croyants, les chrétiens et les musulmans. Les chrétiens, les musulmans, les juifs sont les champions du monde. De l'écoute. Parce qu'il peut venir tous les dimanches s'asseoir et écouter une personne parler. Et s'il y a plusieurs cultes dans la semaine, ben ils vont venir s'asseoir et écouter une personne parler. Et tout le temps, c'est la même chose. Et tout le temps, c'est la même chose. Ils écoutent, ils écoutent, ils écoutent. Mais ces mêmes personnes qui écoutent là, dès qu'ils sortent uniquement de là-bas, vous leur demandez. Au fait, ça parlait de quoi? Ben, ils savent pas. Si vous leur demandez finalement la prédication, c'était sur quoi? Ils savent pas. Mais t'étais là ou pas? Ouais, j'étais là. Mais t'avais écouté? Oui, j'avais écouté. Mais sur le coup, t'étais, oui, j'étais vraiment, voilà, la personne te dit qu'elle était dedans, elle était à fond dedans, elle disait Amen, elle était d'accord. Mais quand tu lui dis, mais finalement, ça parlait concrètement de quoi? Elle sait pas. Vous avez vu? C'est-à-dire, vous avez une multitude de personnes comme ça qui sont toujours là à se borner à écouter. C'est bien d'écouter. Mais si ce qu'on écoute ne vit pas en nous, ben ça nous a servi à rien en fait. Et comment ça peut vivre? Eh bien si, on fait vivre ça. La vie veut toujours être la vie. Veut être vécu. C'est ça, la vie veut être vécue. Mais celui qui a la vie et qui dit, ah ouais, chouette, j'ai la vie, c'est génial, j'ai la vie, c'est bon, je peux m'asseoir tranquille parce que j'ai la vie, mais tu vas la perdre, mon coco. Parce que la vie, si tu la vis pas, ben elle se dépérit. Et au final, si tu vis pas la vie, ben tu meurs. Vous voyez un peu? Ben la connaissance, c'est pareil. La connaissance, elle a besoin de vivre. Si elle n'est pas vécue, eh ben elle se dépérit. Elle meurt. Et c'est ça le problème principal. Et comment la connaissance se manifeste? Ben, c'est pour ça que la connaissance doit produire des œuvres. C'est ce que vous connaissez sous les sphères de l'expérimentation. Expérimenter. Il y a des gens qui sont des croyants, c'est très bien. Ils disent qu'ils croient, ils vont croire en Dieu, qu'ils vont appeler
l'Éternel, qu'ils vont appeler Jésus, qu'ils vont appeler Allah, qu'ils vont appeler Elohim. Vous voyez? Ils croient, mais ils n'expérimentent pas ce auquel ils croient. Et du coup, en fait, ben, ça meurt. Et c'est ça, en fait. Donc, vous devez toujours expérimenter les choses. C'est pour ça que moi, je ne suis pas là pour vous dire, ah, venez vous asseoir et écouter la connaissance. Non, non, non. Je suis là pour vous dire, la connaissance que vous recevez, vous devez l'expérimenter. Si on vous dit qu'il y a un Dieu qui peut faire telle chose, vous devez expérimenter. Si on vous dit qu'il y a un Dieu qui peut vous parler, vous devez expérimenter ça. Si on vous dit qu'il y a un Dieu qui peut vous écouter, vous devez expérimenter ça. Si on vous dit qu'il y a un Dieu à qui vous pouvez parler, vous devez expérimenter ça. Eh oui, vous voyez un peu? Si on vous parle dans le système de Bovin, c'est exactement pareil, hein? Quand on vous dit quelque chose, vous devez l'expérimenter. Et ceux qui, justement, dans le système de Bovin n'expérimentent pas, bah, se retrouvent en fait dans les bas niveaux de la chose. Les hommes type 1, 2, 3. Vous voyez un peu? Encore les hommes type 2 et 3, bon, ils expérimentent. 2, ils expérimentent au niveau de leur corps éthérique. 3, ils expérimentent un petit peu à un niveau un peu plus élevé, au niveau astral, etc. Mais, vous voyez? Donc, si vous n'expérimentez pas ce que vous recevez, sachez que ça va mourir en vous. La connaissance n'est pas quelque chose qu'on va bloquer dans un coffre-fort. Non. La connaissance doit vivre. Vous ne pouvez pas la bloquer dans un coffre-fort. Vous ne pouvez pas la stocker, en fait, dans une base de données. Elle a besoin de vivre. Parce que si vous la stockez dans une base de données, c'est bien. Elle est là, mais elle meurt. C'est-à-dire, elle est là. Mais elle dépérit, donc elle meurt. Donc elle n'aura pas de force de vie. Donc voilà, je voulais vous exhorter un petit peu sur cet aspect-là en attendant que les protagonistes aujourd'hui puissent monter. Mais je vois bien que les protagonistes sont là, mais ça n'ose pas monter. Vous voyez? Voilà, c'est important. Lancez-vous. Hein? C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Celui qui ne forge pas, comment pourra-t-il devenir forgeron? C'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. Mais si l'oiseau ne fait pas son nid, qui va le lui faire? Personne ne fera rien pour vous. Hein? Ah oui, c'est important. Bonjour la famille, bonjour à mon patience, bonjour pour vos parents. Bienvenue à vous. J'étais juste en intro, je vous laisse la parole. Bonjour, veille, bonjour, chance, bonjour pour vos parents. Bonjour, Bonjour, merci pour l'intro. Tata, tu as mal un chat? Pourquoi tu as ton micro, chérie? Oui, mais je te demande si tu as avalé un chat, je te parle, non? C'est à toi Ah, que je j'ai cru parle. que tu parlais à quelqu'un d'autre. Oui, non. Non, non, c'est à Hey, toi. pourquoi? Pourquoi avaler le chat? Non. Mais je ne sais pas, aujourd'hui ta voix a changé. Ah bon? Oui, J'ai Choco un ça peu. grince. C'est à cause de Choco. Où est Non, ça Choco? grince dans mon oreille. Ah oh. Attends, là, ça va? Peut-être c'est ventilateur là. Ah, ça c'est mieux. Comme ça, c'est Ah, ça doit mieux. être ça. C'est ventilateur là qui faisait ça alors. D'accord. Voilà, quand tu parles comme nous-mêmes là, ça me plaît. Je comprends mieux. Affaire de chocolat, ce n'est pas dedans, quoi. Non, je suis pas les deux. Pourtant, réveille, comment ça va? D'accord, j'ai compris. Ça va bien, toi, SFR? Ça va. La dernière fois, mon téléphone s'est éteint. Oh. Bon. Maintenant, c'est fait divers. On est habitué. Ah, SFR. Ah, Ah, si tu il y a du n'existais pas, il quoi? aurait fallu t'inventer, hein. Vraiment. Moi-même, je sais.
T'as droit à la parole, comment Ah. ça va? Elle est pas là. Non, c'est bon, je suis là, ça va et toi, ça Bonjour. va? Ça va. Est-ce que ça peut aller mieux que ça? Ah. Je suis avec ma famille préférée. Bon, donc ça va. C'est une bonne chose, là. C'est une Oui. bonne chose. Oui. Donc. Bonjour tout le monde. Tonton Bonjour à tous ceux Stéphane. qui viennent d'arriver. Tonton Yal. Tout le monde, bonjour. Vous Voilà, écoute, pas hein. le sujet d'aujourd'hui. Le panel vous écoute. Je te donne, on te donne la parole aujourd'hui là. On Oui, attend que vous réveille. montez, Pour vos parents, vas-y, ma montez, chérie. montez pour poser vos On questions. Nous attend encore sommes les là gens? pour vous répondre. Montez, montez, montez. Là pour répondre. Moi, je vais me faire en haut. Pour répondre Mais à quoi? montez, montez, nous Oh, j'ai sommes des questions. oui, tu es là. Tu vas rester ici. Je Pour vos parents, tu vas parler, non? Tu vas parler, tu vas expliquer un peu la différence entre la conscience et puis l'âme, là, ou bien. Pourquoi seulement moi? SFR peut commencer aussi, hein? SFR. SFR, tu peux commencer aussi, Voilà, hein? j'ai été faire quoi? J'ai été faire quoi dans ma vie? Moi, je sais rien, Moi j'ai une question, hein? Et Voilà, pourquoi il n'y a vas-y, que montez des pour poser pourquoi il y a question. que des Non, femmes c'est en pour. haut, là? Les hommes, là, sont où? Vraiment, Hein, je suis en train question, de me sentir mal. question. Les Samuel hommes était sont où? chaud dans le live privé. Samuel, il faut monter. Les gens qui sont chauds, chauds, chauds dans le live privé, là. Dans le groupe privé, là. Il faut monter. On vous écoute. Ah, voilà. Ceux qui sont chauds là-bas dans les groupes privés, là. Venez, nous, on va vous écouter ça. Voilà des gars qui disent que les hommes surveillent la maison. Entre-temps, c'est vous-même qui avez dit cela. Je ne parle pas. Je ne parle pas. Attends, on va parler, sinon on va dire que tu es Tu es féministe. resté, tu es resté trop longtemps en Occident, hein? Depuis quand les hommes surveillent la maison? Vraiment. Hein? L'homme est au champ, hein? C'est la femme qui surveille la maison. Tonton, réveille ça là. C'est pas pour Faut tout le leur monde, dire ça, là. au réveil. Ah. Non, faut leur dire ça. Faut leur dire ça fort même. Dérange. Oh, ils suivaient Ben, la ça, c'est pas maison. normal, hein. Vraiment, il y a trop d'hommes omelettes de nos jours, hein. Ça, c'est l'Occident, ça, qui vous a rendu comme ça, là. C'est clair, réveille, Hein? il faut leur parler. Après, les droits de la femme, vous voulez les droits de l'homme aussi? Vraiment. Hein? Tonton, réveille. C'est quelle attaque à bouche armée écoute ça là? Non, Aujourd'hui, tu es venu nous là, je suis défendre, non? fâché. Je suis fâché sur les T'es hommes fâché en même. colère. Hein? C'est incroyable, ça. Hein? Ils arrivent, Les ils sont petits en trucs là, route. c'est toujours les femmes qui sont les premières. Vous savez, même quand Jésus était venu à l'époque là, voilà les femmes. Crac, 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 devant. Les hommes toujours derrière. Après, vous vous étonnez pourquoi le serpent est venu tout vous arracher dans le jardin d'Éden. C'est Vraiment, des normal. peureux. Des peureux. Aucun n'a osé se lever pour venir dire, moi je suis un bonhomme. Me voici, me voilà. Aucun. Vraiment. Hein? Par contre, ce sont des champions du monde de l'écriture dans les commentaires. Il faut les voir seulement. Dans les commentaires, dans les commentaires. Mais pour montrer, venir montrer que voilà, ils sont des leaders là. On ne voit pas ça. Mais quand il faut être leader dans des groupes là-bas, là, ils sont champions. Quand il faut être leader en public là, on ne voit plus personne. Moi, je ne comprends pas ce genre d'homme là. Hein? Vous m'excuserez, mais. Hey, Un tonton, homme se tu es avec des mots lève. de quoi tout bien. Voilà. Non, parce que ça me fâche, quoi. Les femmes, regarde. Là, j'ai parlé, hein. J'ai été gentil. Ouais, on parle tranquille dans le sens du poil, messieurs, mesdames. La connaissance, c'est important que ça doit vivre. Les femmes ont entendu ça, là. Boum, elles se sont levées. Courage. Elles sont là. Mais les hommes sont où? Vous voyez, c'est ça.
Comment vous voulez mener le combat, hein, si les hommes n'arrivent même pas à se lever? Ah, il y a des deux mondes. Est-ce que c'est deux mondes masculins ou féminins? Ah, il y a quelqu'un qui s'appelle un. Voilà un courageux. Réveille, c'est moi, je l'ai invité. Hein? C'est toi, tu l'as invité. C'est moi, je l'ai invité. Bon, au moins, il a. Oui, mais je l'ai invité dans live là ce soir. Ah, bienvenue parmi nous. Hein. Toi, au moins, tu non seulement tu as été invité, mais bonjour. Tu as accepté de monter. Bonjour. Merci beaucoup. C'est très cool. Là, je t'ai invité. Je t'ai invité. Tu as relevé le niveau des hommes. Hein? Mais non, pas encore, parce qu'il y a combien de femmes? 1, 2, 3, 4. Il y a quand même 4. C'est beaucoup quand même. Ne négligez hommes. Pas quand même un petit, un courageux. Non, mais je néglige pas, mais il faut que d'autres hommes montent. Allez, montez la Deguerre, Samuel. Oh, les autres hommes là sont des peureux. Les gens qui sont dans les groupes là, ouais. Vous êtes où? Attends, je regarde. Sans des peureux. Yes, Marcus. Voilà. Montez quand même. Ou bien. Bienvenue un parmi nous. Vous voyez ça? Et après, quand les femmes vont prendre en fait. Bienvenue un. Merci beaucoup, Réveil. Merci beaucoup. UN. Moi, j'ai entendu qu'on l'appelle UN. Luther. J'ai regardé ton nom là, c'est Luther, hein? Oui, exactement, c'est ça mon prénom. Ah, pas un. Oui. Ah, voilà, ouais. Luther. Oui, mais moi, je préfère qu'on m'appelle un. Mais bon. Ah, d'accord. Mais à chacun son choix. Bon, tu peux aussi. Bon, vous pouvez aussi également m'appeler Luther, ça ne me dérange pas. Il n'y a pas de problème. Donc, je vais rester sur un alors, vu que tu. Ça te, tu préfères qu'on t'appelle ainsi. Et voilà, donc, faites-moi entrer dans le live, étalonnez-moi ce qui est là sur le sujet, comme ça je puisse donner mes points de vue. Si c'est possible. Alors, UNO, je t'ai dit tout à l'heure que on est en équipe, on est une équipe, hein, on fait des lives. ma fille a dit qu'elle ne veut plus m'entendre, Choco. on fait des lives on fait des lives spirituels et donc là aujourd'hui le thème c'est quelle est la différence entre la conscience et l'âme. Réveil, donc lui UN m'a été présenté par Kiko comme étant quelqu'un qui est aussi qui aime bien parler de spiritualité et tout ça. J'ai dit ah ça tombe bien donc ben du coup tu peux venir ce soir pour discuter un peu avec nous. Donc il a accepté l'invitation. Voilà comment UN est parmi nous ce soir. Donc UN voilà le thème. On n'a même pas encore commencé. Là on est en train de tapoter et puis d'encourager un peu tout le monde à monter pour poser des questions et puis s'exprimer sur le sujet. Donc, si tu veux t'exprimer, il n'y a pas de souci. Si tu connais... C'est toujours mieux d'attendre que, voilà, bon, que la foule vienne, comme ça, après, on pourrait mieux, parce que quand il y a tout le monde en même temps, on pourrait échanger comme ça, ceux qui ne sont pas là, ils pourront être là quand ça va commencer. Mais tout ça dépend de vous. C'est comme tu veux. Oui, donc si on papote pour le moment. Non, c'est. Tout ce que tu vois là, ce sont les membres de l'équipe. Donc, si tu veux, tu peux t'exprimer. Et nous qui sommes là en haut, on va te répondre. Non, bon, en attendant. Il a raison. Il vient d'arriver. Donc, introduisez le sujet. Exactement. Et comme ça, il pourra prendre en fait en chemin, en route. Exactement, Réveillé. Donc, je me mute et je vous écoute. Elle s'est fait introduire alors. Elle s'est fait introduire. Yes. Moi, aujourd'hui, j'ai dit, tu veux la parole. Hein. Voilà, je suis fatiguée de parler. Il était assis là. Elle s'est fait introduire le sujet. Je savais que tu allais m'appeler. Si, si. Et tata, il te fait quoi? Bon, introduction. Qu'est-ce que la conscience? Non, mais attends.
Bon, tata, c'est vrai, hein. J'ai ma petite idée sur la question, mais bon, rien de... Qu'est-ce que je dois dire? Bon, sérieusement, la différence entre la conscience et l'âme. Au vu de tous les lives qu'on a déjà fait par rapport à ce sujet, on a parlé beaucoup de conscience, pas trop de l'âme, mais on a quand même parlé de la conscience. Mais je ne sais pas quoi dire. J'en ai aucune idée. J'en ai aucune. Pour vous, parents, tu peux l'aider. Amis, donc pour introduire un peu le sujet, c'est que pour un, alors on a déjà fait plusieurs lives en fait au sujet de la question, mais comme il y a toujours des questionnements qui émergent autour de la conscience et de l'âme, donc du coup aujourd'hui on s'est un peu préparé pour répondre aux questionnements du public sur les distinctions entre la conscience et l'âme. Voilà. Donc, vous pouvez commencer par nous donner déjà vos points de vue en fait sur la question, et puis nous, après, on va répondre pour échanger. Voilà. Première question. Chance, tu as quelque chose à dire? Les messieurs du groupe, là, montez. Allez, les gars, s'il vous plaît. Chance, tu es Pardon. là? C'est toi qui avais choisi le sujet, madame. Donc, à vous l'honneur pour nous introduire. C'est Si. quoi la conscience, c'est quoi l'âme? Pourquoi Et ça après, arrive? on peut répondre aussi Pourquoi? si. Oh. J'ai mis trois thèmes. Non, tu nous. J'ai mis trois Oui, thèmes. ça. Les gens ont choisi. Bon. On t'écoute. Tu donnes la définition de. Tu introduis la. Comment ça s'appelle? La conscience et l'âme. Et comme ça, si un, en fait, a des questions, il pourra poser ses questions. Et si tu peux le reprendre, tu le reprends, sinon quelqu'un d'autre pourra en fait reprendre. Je coupe mon micro parce que j'ai du bruit ici chez moi. Non, mais c'est moi qui suis censé partager la parole. Hein. Attention, c'est moi qui suis censé partager la parole. Donc, quand tu me dis que c'est moi qui introduis, comment ça fait? Nancy a déjà introduit une partie. Donc, je demandais si tu as quelque chose à compléter. Bon, qu'est-ce que la conscience? Nancy n'a pas introduit, Nancy a expliqué en fait. Depuis tout à l'heure, tout le monde en fait est en Elle a train de fait une petite contourner le introduction. sujet. Tout le monde essaye de contourner un peu le sujet. C'est quoi concrètement la conscience et c'est quoi l'âme? C'est ça en fait. C'est pour ça que le frère toi a dit, introduisez d'abord et après lui, il va en fait poser ses questions ou bien en fait dire ce que lui en pense. Lui-même, il en pense en fait. C'est ça, moi c'est ça en Bon, fait que j'ai compris le frère je toi qui pense est en train de que dire. en fait on peut C'est ça, pas non? commencer par définir la conscience ou l'âme. En fait, si des personnes ont des questions par rapport à ça, donc du coup ça pourrait être une base en fait de discussion par rapport à ça, parce que nous tous ici Mais sur le panel, voilà, c'est donc ici. je Donc on vais peut poser les commencer la questions de base l'âme alors. pour commencer. Ah, ok, Voilà. donc les gens Non, viennent pour le de moment, te poser des questions je ne pourrais directement pas. sans chercher à Non, t'avoir je ne déjà pourrais pas voir les prévu, en fait. questions immédiatement parce que je ne vous ai pas Voilà. encore écouté, étalonné. Mais Voilà. je pourrais. Je pourrais déposer la première pierre et après vous allez commencer le développement. Et par la suite, selon vos pensées, je vais poser des questions. Donc, la conscience, je pense que la conscience, c'est la connaissance immédiate ou directe de sa propre activité ou qualité psychique. Si je ne me trompe pas, bon, c'est d'abord ça, la conscience. Hein. Et l'âme même, c'est un principe spirituel hein, qui a été conçu par la religion. Donc, quand je vois les deux, je pense qu'il y a une différence, vu que l'âme est spirituellement et la conscience est plus rationnelle. Donc, lorsque nous parlons de la conscience, nous parlons de nous et de ce que nous pouvons penser, réfléchir en nous-mêmes pour définir quelle est notre propre qualité et nos capacités principales de nous-mêmes. Par contre, dans la spiritualité, lorsqu'on entre dans l'âme, on entre dans l'irrationnel, dans le paranormal, quelque chose qu'on ne pourrait voir, mais qu'on pense, on croit. On entre dans la croyance et on peut donner des définitions tout simplement irrationnelles, un principe spirituel de l'être humain. C'est ce que je pense. Maintenant, j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous pensez de ces deux choses? Si pour vous, la conscience est plus utile que l'âme, ou alors, si c'est l'âme qui est la principale chose à laquelle vous êtes acté et assimilé, pour quelles raisons vous êtes acté et assimilé à l'âme? Quelles sont les preuves que l'âme existe vraiment?
Voilà. D'accord, merci beaucoup. Quand tu parles des preuves, en fait, tu parles de quoi exactement? De la réalité des choses ou des preuves issues de l'expérience? On pourrait commencer par les preuves pragmatiques ou scientifiques. Si l'âme existe-t-elle vraiment? D'accord. Alors, du coup, une question par rapport à toi, ton être à toi. Toi, en tant qu'être humain, est-ce que tu peux, tu sais ou tu es au courant que tu as une âme et un esprit? Je suis au courant parce qu'on me dit, et parce que j'entends les autres parler, et parce que les religions le disent aussi, et parce que les religions le disent aussi. Mais je ne suis pas au courant parce que j'ai vu mon âme, hein, ou mon esprit. Je n'en sais rien. Peut-être vous, vous en savez. Et je vous pose donc la question, comme peut-être vous en savez, est-ce que vous le savez réellement? D'accord. En tout cas, nous ici sur le panel, on sait qu'en fait, l'âme, c'est la vie. La vie que tu as en fait, c'est ton âme en fait. Et scientifique, et scientifique, rien pour moi. Oui, je vous écoute. Vas-y, maman, patience. Ok, je voudrais d'abord fixer un peu. Fixer un peu les réponses, parce que tout dépend de si on parle du système bovin ou si on parle du système ovin. Alors, quand on parle de l'âme, par contre, Alors, du coup, parce que il faut savoir. dans ce cas, en fait, maman, patience, il faut définir un système bovin et ovin pour un, pour qu'ils comprennent un peu mieux. C'est Parce qu'en ça. fait, lui, il parlait de pour en Exactement. général. Voilà. C'est ça. Donc, le système bovin, ben, c'est l'ensemble vraiment de toutes les spiritualités de ce système bovin-là. Système bovin, pourquoi? Parce que ça part depuis l'Égypte, il y a eu. Parce que je pense au logos et du coup j'ai envie de partir du logos. Mais si je commence au niveau du logos, est-ce que tu vas comprendre? En tout cas, le système bovin, c'est vraiment l'ensemble de tout le système qui a commencé, le système religieux, je vais dire ça comme ça, qui a commencé depuis la tradition primordiale jusqu'à nos jours. Donc en passant par le christianisme romanisé. Et toutes les autres, toutes les autres croyances, des autres spiritualités et autres. Donc déjà en partant de là, c'est un ensemble donc du coup de consciences qui ont été mis en place, sachant que en Égypte, les Égyptiens antiques adoraient le dieu soleil. Donc le dieu soleil, lui qui était manifesté par Osiris. Et dans les mystères d'Osiris, on sait que Osiris était le soleil levant, le soleil du midi et le soleil couchant. Donc, et avec la vache Hathor, peut-être que je mélange tout, mais avec la vache Hathor, cela constituait effectivement la base même du système bovin. Maintenant, les consciences sont nés, enfin sont nés, eux-mêmes ils définissent le premier, oui, le premier, la première lumière, enfin ce qu'ils appellent lumière, le premier feu, le premier logos, comme étant une conscience, donc le premier ce soleil-là qui s'est créé, qui s'est auto-créé lui-même, comme étant une conscience. Et c'est de là qu'est partie toutes les autres consciences, à savoir, bon, toutes les autres consciences. Bon, maintenant, quand on parle de conscience, effectivement, tu as donné une bonne définition dans le sens que c'est la connaissance immédiate. Mais on a plusieurs sortes de consciences qui ont été mises en place, donc à partir de ce logos 1-là, la toute première conscience au niveau de la tradition primordiale, qui a été mise en place.
et qui a fait naître plusieurs autres consciences qui ont été attachées directement au corps, comment on dit, à l'enveloppe qui nous, que nous avons là. Donc, on parle ici des différents corps subtils. Les corps éthériques, les corps éthériques, parce qu'il y a le double éthérique et le corps, le corps que nous avons là, le corps dense, voilà, le corps dense. Donc, le corps éthérique, le corps subtil, le corps astral et le corps mental supérieur, le corps mental inférieur. Hein, et les autres corps subtils, il faudrait que je... Oui, il y a 7 corps subtils, en fait. Et donc, tous ces autres corps qui, nous ont, et, qui ont été rattachés à, nos, à notre enveloppe par le canal des élémentales, hein, ces autres corps subtils constituent donc les différentes consciences qui nous ont été attachées, donc, du coup. À savoir, donc maintenant, au niveau de, je vais aller dans l'âme au niveau du système bovin. Le système bovin, l'âme, c'est véritable, en vérité, le, comment on appelle, le, oui, là, ce qu'on appelle âme, c'est au niveau du corps astral, qui, lui, est composé de l'âme de sensibilité, de l'âme d'entendement et de l'âme de conscience. Donc, ce que le système de bovin appelle âme, c'est ça en fait, c'est l'âme de conscience que eux ils appellent âme. Mais il faut comprendre que les consciences, ces différentes consciences n'ont pas de vie. Elles existent, elles sont présentes, mais elles n'ont pas de vie. Et pourquoi? Donc c'est donc la raison pour laquelle ils ont été attachés au corps, au véhicule, parce que ben elles avaient besoin d'une vie pour exister, et la seule vie qui leur était donnée de pouvoir, comment dire, incarner, attacher, c'était le corps, notre corps dense, là, voilà. Et donc, dans notre corps dense, il y a l'âme, la véritable âme, mais ce n'est pas cette âme-là qui est la même âme que les âmes de l'âme de conscience. Voilà, cette âme que nous avons, elle est, c'est la vie en fait, c'est ça, c'est rattaché au sang, c'est la vie. Tandis que les consciences n'ont pas de vie. Mais eux, pour qu'ils aient de la vie, ils se sont rattachés à notre corps, enfin, ils ont rattaché les corps subtils pour pouvoir avoir de la vie. Et eux, ils ont appelé ce que eux ils appellent âme, ce n'est pas une âme qui est vivante, c'est une âme conscience, voilà, c'est une âme conscience, c'est une âme de conscience, donc une âme qui s'attache à une autre âme pour pouvoir avoir la vie, en fait. Je ne sais pas si tu, si tu captes le truc UN. Donc, je vous ai voilà, donc, la véritable âme, elle, c'est la vie, parce que l'âme, maintenant, dans le système ovin, si je peux dire, oui, c'est dans le système ovin, l'âme, elle, c'est la vie. C'est vraiment la vie, parce que l'âme, c'est le sang, c'est ça qui nous permet de vivre, c'est l'âme. Et elle est attachée au souffle de vie qui est à la fois souffle, à la fois vie. Donc, on ne peut pas séparer ces deux choses-là. L'âme et le souffle de vie, tandis que les consciences, eux, ils ont besoin de vie, et donc ils sont inexistants, mais ils sont présents, et donc ils ont besoin de vie pour, et c'est pour ça qu'ils ont besoin de cette vie-là. Donc du coup, ici on parle ici du corps astral qui lui est une conscience qui est rattachée au corps dense, par le canal, bien sûr, du double éthérique, des élémentales et tout ce qui l'accompagne, en fait. Je ne sais pas si tu as compris mon explication, ou bien il y a d'autres personnes qui ont quelque chose de mieux expliqué, si j'ai mal expliqué.
Je vous ai écouté et du coup, dans ce que vous avez dit, j'ai beaucoup de questions à poser par rapport à ça. Mais d'ailleurs, s'il y a une autre personne qui voudrait, je patienterai. Ok. Nancy, chance. Oui. Bonsoir, moi j'aimerais être Vas-y, accessible. Nancy. Une minute, Serge. Une minute, s'il te plaît. Non, non, je Vas-y, disais Nancy. non, non, je disais à un de poser ses questions. Parce que comme tu as expliqué beaucoup de choses en même temps, peut-être Ah. qu'il a beaucoup de questions, en fait, comme ça on l'écoute. Mais après, j'ai Des vu que questions, Serge oui, avait beaucoup voilà. de questions. Ok. Bon, Amou, c'est Ok, comme ok. si, là, c'est comme si dans votre explication, je pense que vous avez dissocié la conscience de la pensée. L'avez-vous fait? Oui. Mais comment pouvez-vous dissocier la pensée de la conscience? Quelle est la différence entre ces deux éléments? La différence entre la pensée et la conscience. Mais la pensée ne se trouve pas dans la conscience, hein. La pensée, c'est une chose différente de la conscience. Je t'ai expliqué tout à l'heure que la conscience, enfin, les consciences, ce sont des différents corps subtils qui sont des formes pensées, mais qui ne sont pas des pensées. Tu comprends? Ce sont des formes pensées parce que ce sont bon, voilà, des informations. Ce sont des consciences qui ont des informations, mais qui ne sont pas des pensées. Est-ce que tu comprends? Oui, je comprends très bien. Mais parce que la conscience, d'abord, c'est une connaissance spontanée. Bon, si la conscience est une connaissance spontanée, comment peut-on être conscient si nous n'avons pas de pensée? Parce que vous l'avez dissocié. Est-ce que quelqu'un d'autre peut répondre à la question de UN? Mais moi, je veux bien. Ok. Bonjour, bonjour. Ou alors, chance, bonjour à tous. Non, Vas-y vas-y, et je. vas-y. Bonjour, hein. Du coup, en fait, quand elle Oui, bonjour. t'expliquait amour-patience, là, elle les a pas dissociés. Il se trouve que la conscience, la pensée est liée à l'âme. C'est l'âme qui pense, en fait. Et la conscience, elle l'imagine. Donc, la conscience est liée à l'imagination, parce qu'elle t'a bien expliqué que la conscience vient du monde des bovins, donc qui s'attache, elle, à l'âme quand elle arrive dans le monde. Et c'est l'âme qui pense, en fait. C'est l'âme qui est pensante, et la conscience, elle l'imagine. D'où tout ce qui est lié à la magie, à la sorcellerie et le mensonge, du coup. Donc c'est la conscience, elle s'imagine des choses et elle ramène des choses de l'imagination dans le monde réel. C'est là qu'on parle de magie. Mais bon, là je m'égare un peu du sujet. Mais pour revenir à ta question, c'est vraiment, elle les a pas dissociées. C'est que la conscience ne pense pas, elle imagine plutôt. Donc nous ici, on lie la conscience à l'imagination et c'est l'âme pour nous qui est pensante. Voilà. Je te remercie. Oui, c'est un peu clair, mais je n'arrive pas totalement à assimiler. Parce que dans la conscience, parce que la conscience peut faire référence à plusieurs concepts physiologiques et psychologiques d'ailleurs, la conscience c'est aussi une représentation mentale claire de l'existence, de la réalité de telle ou telle chose. Là, je pense aussi que la conscience, l'expérience lui a donné une conscience aiguë du danger, par exemple. Donc, lorsque nous voyons la conscience de cette forme-là, hein, nous voyons qu'il y a la connaissance à l'intérieur, parce que ça ne peut être sans connaissance. Mais comment un être peut-il savoir qu'il a une connaissance et que cette connaissance est dissociée de la pensée?
En fait, c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas, bon, s'il pouvait avoir peut-être une explication plus claire, hein, peut-être mon cerveau n'est pas adapté à comprendre, hein, peut-être ce que vous dites, mais s'il y avait peut-être une explication plus terre à terre, j'aurais peut-être compris. Mais jusqu'à là, je n'arrive pas à comprendre pourquoi c'est dissocié. Ah oui, c'est vrai. Okay. Après, là, ce que je vous ai expliqué, ta patience, tu veux rajouter quelque chose? Non, Christelle. Là, ce que vous avez dit, j'ai pas. Donc, je n'arrive pas à comprendre parce que là, ça ne me fait pas être d'accord avec ce que vous avez dit totalement. Là, vous dites des bonnes choses, mais à la fin, je me pose la question, bon, par rapport à ce que je vous ai dit, bon, je n'arrive pas à tout dire, mais pourquoi on peut dissocier la pensée? Hein, de la conscience qui est une forme de connaissance aussi. Donc, vous voyez, donc, comment peut-on connaître, hein, lorsqu'on ne pense pas? Donc, c'est ça mon problème en fait. C'est comment on peut connaître lorsqu'on ne pense pas. Exactement, on peut dire ça comme C'est ça. Et clair. pourquoi Okay. c'est dissocié? Alors moi, j'ai pas bien compris la question. Ce que je pourrais te dire, ce sera peut-être un élément de réponse sur toute ta question, c'est que la conscience avec notre âme, enfin la conscience, on a une connaissance immédiate. Mais après, il faut vraiment dissocier cette connaissance immédiate de la pensée. Je ne sais pas si c'était ça ta question. Non, la question est que je n'arrive pas à comprendre comment peut-on dissocier la conscience de la pensée. Alors, la différence se trouve vraiment là où je t'ai expliqué, UN. La conscience ne vit pas. Je suis d'accord, patient, je suis d'accord. Là, je suis d'accord qu'il y a une différence. Mais Ok. comment peut-on les Tandis que la dissocier? pensée, Comment peut-on les dissocier? comment je peut-on peux les essayer. dissocier? Mais vas-y, vas-y, essaie faire. D'accord. En fait, moi j'ai bien compris sa question, en tout cas de mon entendement, hein. Donc, en fait, vous voulez savoir comment on peut dissocier la conscience de la pensée, n'est-ce pas? Exactement. Parce que pour vous, la conscience, c'est de, c'est d'être, comment on va dire, c'est d'être révélé à soi-même. Parce que je pense que la pensée est un élément de la conscience qu'on ne peut les dissocier. Ah, d'accord. Vous pensez que la pensée et la conscience ne peut être dissociées. Bon. Exactement. Moi, je vais vous poser juste une question avant de pouvoir vous répondre. Comme ça, vous allez comprendre là où je veux mener mon assertion. Quand vous conduisez et que vous êtes en train de penser à quelque chose d'autre pendant que vous conduisez, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Quand vous conduisez et que vous êtes en train de penser à quelque chose d'autre, et après vous revenez, vous retrouvez sur la route en train de continuer de conduire, vous ne vous êtes pas arrêté. Mais vous étiez conscient en fait. Et pendant que vous étiez conscient, vous avez pensé également. Mais c'est pour moi, la conscience et la pensée, c'est deux choses différentes. La conscience est toujours là, la pensée peut ne pas être là. C'est deux êtres pour moi différents. C'est deux choses, comment je vais dire, deux êtres qui se trouvent en nous, qui n'ont rien à voir, qui sont complètement différents. Ils n'interagissent même pas ensemble pour moi. La conscience te permet de pouvoir te sentir, de pouvoir, comment on va dire, te retrouver au moment présent et puis savoir que tu es là à l'instant où tu penses à l'endroit exact. Mais la pensée peut te projeter ailleurs, absolument dans un autre pays pendant que tu es ailleurs, en fait. Tu peux être là où tu es et puis penser à une situation qui s'est passée ou bien que tu voudrais que ça se passe. Tu es en train de réfléchir à ça, à penser à ça.
Et tu es déjà transporté ailleurs pendant que tu es quelque part, ta conscience est quelque part, mais ta pensée est ailleurs. Donc c'est deux choses complètement différentes. Donc elles sont dissociables. Elles ne sont pas, même pas associées pour moi. C'est deux choses absolument différentes. C'est comme ça que moi je conçois la chose. J'ai pas trouvé mieux en tout cas pour expliquer. Ok, il y avait Chance tout à l'heure qui voulait parler. Chance. Oui, Christelle avait déjà commencé à dire en fait certaines choses que je voulais dire. Quand elle parlait en fait de l'âme, la pensée en fait émane de l'âme, qui est la vie. Et cette vie, ça se trouve dans le système des ovins. Dans le système des ovins, c'est la vie qui, c'est la vie, c'est l'âme qui pense. Donc, quand on parle en fait de la pensée, on parle tout de suite en fait du système des ovins. Ça veut dire on parle en fait de la vie. La conscience, c'est dans le système des bovins, comme la sœur Amour Patience avait dit tout à l'heure. C'est l'imagination en fait, la conscience. Donc, je ne sais pas si ici tu fais la distinction entre les deux. La conscience, c'est l'imagination. Et la pensée, c'est la vie, parce que ça émane en fait de la vie. Ce sont deux êtres, ce sont deux êtres en fait. Et cette conscience qui se trouve dans le système des ovins, enfin pardon, des bovins, se retrouve en fait être attachée à l'âme qui est incarnée dans le monde. Donc en venant dans le monde, l'âme est incarnée. L'âme qui est incarnée. Le système de bovins, lui, en fait, l'ont attaché ce qu'on appelle la conscience. Je vais essayer d'expliquer ça comme ça. Peut-être que ça sera un peu plus simple. Donc, du coup, l'âme ne vient pas seule, mais l'âme vient avec la conscience. Donc, quand on pense, c'est la vie qui pense, Ah, c'est là, l'âme. vous avez dit quelque chose, je ne vous coupe pas, vous avez dit quelque chose de très intéressant et qui me conduit déjà à une compréhension. L'âme ne vient pas seule, mais l'âme vient avec la conscience. Continuez, madame, je vous La écoute. conscience, voilà, parce que quand l'âme est incarnée, en fait, la conscience dans le système des bovins, vu que le système des bovins, bon, elle avait essayé d'expliquer aussi tout à l'heure, c'est le système en fait des consciences. En fait, ce sont les consciences qui dominent, ce sont les consciences qui règnent. Ça veut dire tout ce qu'on voit, que ce soit le système de religion, d'éducation, tout le système où nous vivons dedans, c'est le système des bovins. Et ce sont les consciences, en fait, et les informations qui règnent. C'est eux qui dirigent. Et en venant dans ce monde, une âme qui est la vie, qui est le système des ovins, quand cette âme, en fait, doit incarner, en fait, cette âme est attachée, ils vont attacher à cette âme, en fait, une conscience. Et cette âme va venir maintenant dans le monde du système des bovins. Maintenant, le système des ovins, c'est le système en fait du créateur. Le créateur, celui qui a tout créé. C'est le système naturel. Je ne sais pas si vous voyez, c'est le système naturel, la création, la loi naturelle, tout ce qui est naturel. Ça, c'est le système en fait des ovins. C'est le système du créateur. Donc ça n'a rien à voir avec le système des bovins. Le système en fait de bovins, c'est un monde, comme je l'ai dit, dirigé par les consciences. Alors que le système des ovins, c'est dirigé par le créateur. Donc ça nous fait déjà deux systèmes en fait ici. Donc pour faire la différence entre l'âme, la pensée qui émane de l'âme dans le système des ovins et l'imagination qui émane en fait de la conscience dans le système des bovins. Je ne sais pas si vous voyez. Vous êtes là? Oui, je suis là. Très là. Non, est-ce que vous avez... Madame, vous comprenez un peu? excusez-moi, excusez-moi, j'aimerais savoir. On a dit qu'on était dans le référentiel des bovins ou bien les deux se mélangent? Parce qu'on avait commencé sur le référentiel des bovins, pas des ovins.
On n'avait pas dit qu'on devait Bon, mélanger avec les deux. l'explication que j'entends, les deux se mélangent, je pense. Les deux se mélangent. D'accord. Non, 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 attention, non. Les deux ne se mélangent pas. Pour t'expliquer ce que tu as demandé, qu'est-ce que, comment dire, la conscience et l'âme, c'est quoi? Et puis, au niveau des pensées humaines, on est obligé de t'expliquer ça en fonction d'abord du système des bovins, parce que nous tous, nous sommes dans ce système-là. Et c'est ce que nous comprenons, enfin, c'est ce que il faut comprendre, il faut connaître d'abord mieux pour pouvoir que tu ailles maintenant comprendre le système des ovins. Tu vois? Et c'est pourquoi j'ai commencé par t'expliquer qu'est-ce que la conscience, parce que la conscience, c'est vraiment le fondement du système des bovins. Donc, si on t'explique la conscience et on t'explique l'âme directement au niveau du système des ovins, tu vas rien comprendre en fait. Mais les deux ne se mélangent pas, c'est deux choses différentes. Parce que je t'ai dit, le système des ovins, je n'ai même pas voulu développer parce que c'est un peu, voilà. Mais je t'ai dit, c'est l'âme, c'est la vie. Tandis que dans le système de conscience, de bovin, la conscience, ce n'est pas la vie. C'est vraiment une forme pensée, mais ce n'est pas la vie du tout. C'est une imagination, c'est tout ce que tu veux, mais ce n'est pas la vie. Tu vois, donc il y a bien une scission, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le système des bovins et le système des ovins ne se mélangent pas. Ce n'est pas deux systèmes un système dans un autre ou bien deux systèmes mélangés. Non, 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 non. C'est pourquoi on fait bien la distinction entre système des bovins et système des ovins. Voilà. Tu as encore des questions, Yann, ou bien on peut laisser d'abord parler Serge? Oui. On peut laisser parler Ou Serge et bien, je si tu as encore reviendrai. des questions. Je voulais D'accord, juste ok. compléter en fait que, en fait, la conscience, c'est l'être bovin qui est attaché à l'âme incarnée. Mais bon, ça, je l'ai déjà dit, je pense qu'il a compris. C'est bon, c'est clair ou pas du tout? Oui, mais là, vous l'avez aussi dit, hein, il ne faut pas oublier hein, que l'âme ne vient pas sans la conscience. Oui, Donc, après, on va laisser parler sèche, on va revenir dessus, parce que les questions ne pourront pas finir maintenant. ça c'est sûr. D'accord. D'accord, merci, merci beaucoup. Je ne sais pas si on m'entend. Bonjour, Serge. Et on Bonsoir, t'entend bien. madame. D'accord, moi je suis Serge Rabat, je suis dans une école de spiritualité qu'on appelle le MIA. Et nous, on a une autre approche par rapport Une école à la qu'on appelle conscience quoi? Pardon, je et n'ai par pas rapport à compris, l'âme. papa. On appelle le MIR, le Mouvement International des Anciennes Religions. Alors, nous, on a une autre approche par rapport à la conscience. Pour nous, la conscience, c'est la mémoire. Et elle s'exprime qu'on soit dans le corps physique, de la même manière que qu'on soit dans le corps spirituel, en fait. Quel que soit alpha, la conscience, elle va réagir dans le corps spirituel comme des flashs. Et c'est la mémoire. Et la pensée, c'est ce qui va interagir avec cette mémoire-là pour donner un résultat dans le monde extérieur. Donc, pour avoir une position par rapport à une réalité physique, il faut déjà que j'aie conscience de ce que c'est. Ça implique que je puisse avoir, que j'ai enregistré les couleurs de la réalité, les sensations de la réalité, etc. Donc, par rapport au corps physique, la conscience se forme au fur et à mesure, en fonction de l'expérience de vie de la personne. Alors, l'âme, pour nous, l'âme, c'est comme une forme de royaume, puisque l'être humain a plusieurs corps. Et on va dire que l'âme, c'est l'ensemble des corps qui constituent l'être humain. Et ça a un siège dans le cœur. Le siège de l'âme, c'est dans le cœur. Voilà. Donc l'âme a une forme, la forme, il y a une forme de rectrice de l'âme qui se trouve dans le cœur. Et ça n'a rien à voir avec ce qui, alors que la mémoire se trouve dans la tête. Maintenant, il y a une conscience qu'on va appeler la conscience divine qui a pour corps physique la glande pinéale et qui a pour expression dans le monde spirituel, comme ça ressemble à un vieillard que nous, chez nous, on appelle le père qui est en secret. Et c'est cette partie de l'être humain qui, lorsqu'elle est activée, peut lui permettre d'avoir la mémoire de n'importe quelle chose que la personne verrait, que ce soit dans le monde physique comme dans le monde spirituel. Voilà, donc c'est comme ça, nous,
C'est comme ça nous on perçoit la conscience et c'est comme ça nous on perçoit l'âme, quoi. Voilà, je m'arrête là. Ok, j'ai une question, Serge. Dans le mouvement de dans votre spiritualité, le miyar, qu'est-ce que l'akasha? Parce que j'ai l'impression que vous avez parlé ici de l'akasha. Nous, on n'utilise pas le mot, l'expression akasha, on utilise plutôt l'expression éther. Voilà. Ah, Nous, ok. l'éther, pour nous, c'est la matière incréée. C'est-à-dire que par l'éther, on peut amener à manifestation des formes de vie dans le plan spirituel. C'est ce que nous, on utilise comme expression. Ok, c'est l'ensemble du ok système bovin, c'est ça. Enfin, selon votre spiritualité, ok. Et donc pour vous, qu'est-ce que c'est que l'âme? Vous avez dit l'âme est rattachée à quoi? Au cœur. Ouais, là, ben, un recteur, son recteur se trouve dans son cœur. C'est-à-dire qu'il y a une forme où quand tu sors de toi, tu es comme une ombre. Ok? Tu es comme une ombre. Voilà, cette forme-là, c'est dans le cœur, ça se situe. Et quand vous essayez d'atteindre la glande pinéale, c'est par quel mécanisme que vous essayez de réveiller la glande pinéale? Non, en fait, le chemin spirituel est fait à partir de plusieurs densifications. Il y a des densifications. C'est-à-dire que, D'éveiller, au d'éveiller, pas départ, de réveiller. bon, en fait, comme je vous explique là, pour nous, le chemin spirituel se place en plusieurs formes. La première forme, quand un être humain naît, du point de vue de l'esprit, il a un vêtement, il a une couleur de vêtement. Donc, on voit son esprit dans une couleur de vêtement, même si son âme paraît être nue, même si on ne voit pas ses organes génitaux. Donc, dans un premier temps, il va faire un chemin par rapport à ces couleurs de vêtements-là. Lorsqu'il finira ce chemin-là, son esprit, son âme et son sexe vont fusionner. Donc, quand ça fusionne, il y a un œil qui s'ouvre. Et ces trois formes fusionnées-là vont servir de support pour qu'il passe à une autre étape dans laquelle il va recevoir ce qu'on appelle en spiritualité son Christ. Si vous regardez en Égypte, vous verrez que chaque dieu à une forme animale qui existe en face d'elle. Alors, donc, lorsqu'il va finir de fusionner ces trois phases, sa vérité, son Christ, va naître en lui. Donc, si c'est un lion, ça sera un lionceau. Si c'est un mouton, ça sera un agneau, etc., etc. Et il aura encore une autre forme de chemin. Et il va faire des chemins jusqu'à atteindre la troisième étape où, au bout d'un certain moment, son Satan, son Lucifer, qui est rouge de peau, va fusionner avec son Osiris, qui est vert de peau. Les deux étant établis dans le cœur par rapport au sang, n'est-ce pas? Et que lorsqu'ils vont fusionner, ça va lui donner, ça donne la forme jaune, son sang, c'est-à-dire qu'il va avoir le sang divin. C'est à partir de là maintenant qu'il va faire une troisième ascension dans laquelle il va devenir son père. C'est-à-dire l'être humain, quand on le régale, il peut être humain comme ça et puis avoir un état spirituel un peu plus élevé que ses confrères qui sont tous. Donc il va s'élever jusqu'à arriver maintenant à devenir sa glande pinéale, c'est-à-dire le père, l'ancien des jours. Et puis après ça, maintenant, il va s'éveiller par rapport à son mystère. Donc on fait le chemin, c'est plusieurs étapes. Une première étape humaine, une deuxième étape où les animaux vont intervenir, une troisième étape où les djinns vont intervenir pour le purifier et consort, et une quatrième étape où maintenant il va dans le désert, dans Malkouth, comme je pense que vous êtes des spiritualistes, où maintenant il fait un combat avec son propre Satan, à la suite duquel il pourra maintenant se rendre propriétaire de son âme. C'est-à-dire qu'il pourra utiliser son âme comme on utilise le corps physique. Donc en utilisant son âme maintenant, il aura accès à sa mémoire. Puisque c'est lui encore qui est le père, la glande pinéale, c'est encore vous dans votre première expression. Donc il pourra utiliser maintenant sa conscience. Il va se rappeler de qui il est. Il va se rappeler depuis son commencement en tant qu'être qui il est. Et puis en ce moment, il a accès à toutes ses mémoires en fait. Sinon, il n'y a pas de pratique de base pour éveiller la conscience. Il faut s'élever forcément. Voilà, donc tu parles ici de bah oui, tout ce qui concerne ce système-là, c'est UN. Je ne sais pas si tu as compris tout ce que Serge a expliqué. Tu as compris? Pour comprendre, j'ai une question. Serge, comment expliquez-vous le vous dans un rêve? Comment?
comment expliquez-vous le vous, votre vous à vous, dans un rêve? Ah. Ici, il s'agit vraiment du système de transmutation de conscience, tout ce qu'il a expliqué. Oui, vas-y, Serge, vas-y. Mm-hmm. Quand tu dis le vous, je ne comprends pas. Essaye de revenir un peu terre à terre. Parce que je suis couché là, ma conscience physique. Je prends par exemple ta pensée physique, ta conscience physique. Elle est entre vous... ton. Comment vous expliquez? Je vais développer. Physiquement, par rapport à mon expérience physique, j'ai une conscience de mon expérience physique. Et j'ai un centre psychique qui va décider en fonction de cette conscience-là. Cette conscience-là, c'est ma mémoire, comme on le dit, ma mémoire physique, on est d'accord. Cette conscience, ce centre psychique-là, je peux le transférer dans un autre moi qui n'a rien à voir avec mon moi physique. Cet autre moi-là, c'est encore moi. Ce n'est que... Je ne t'entends pas, Serge, sauf si ta connexion dérange. Au niveau de... Je ne sais plus. L'autre moi, c'est toi, mais c'est toi. Vous parliez de votre moi qui était différent de votre moi physique.